Salut, je m'appelle Delphine. Aujourd'hui, je vais tester la boxe et je vous emmène avec moi. On est à Lille, on va rencontrer Chris et je crois que c'est un bon boxeur. C'est parti. On va aller voir Chris, avec qui donc je vais faire ma séance de boxe. Salut Chris. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu vas me faire faire aujourd'hui? On va faire de la boxe. Quelle boxe? La boxe anglaise, les juste points. Les poings. D'accord. Pas le droit de frapper en dessous de la ceinture, pas le droit au coude, etc. C'est un sport très complet. Il y a de la course. C'est un peu tous les sports réunis dans un même sport. L'échauffement, on va commencer doucement et puis à petit on va monter en intensité. Ensuite le travail technique, les différents coups. Sur un et sac. Savoir se déplacer. Sur on va utiliser le sac, mais vraiment après. Donc là, ça sera moi, j'ai vraiment très envie d'utiliser le sac. Ensuite, on va faire du travail physique, donc du sac, de la corde. Enfin, on va finir sur un petit face-à-face, un petit combat pour me montrer un peu là-dessus. Ce que tu as appris là-dessus. C'est parti. Je suis prête. Et les jeux francs et des filles. Très bien. La deuxième partie de l'entraînement, on va apprendre les coups techniques. C'est ça, Chris ? C'est ça. Les différents coups. Le direct. Direct du gauche. Direct du droit. L'uppercut. Uppercut gauche. Uppercut droit. Et le crochet. D'accord. Donc c'est ce coup-là. En garde, ici, commencement en garde. Ne me donne pas. Il doit avoir une rotation droite. C'est-à-dire que quand tu finis, ton coup il doit être là. Tu vois, là il est bien gainé, etc. Parce que si tu prends comme ça, ton bras il n'est pas gainé, il n'y aura pas de force. Gauche et droite. Gauche et droite. Il faut bien bouger et être prêt directement sur les jambes. La posture, quand tu la tiens comme ça à la base, elle doit rester comme ça tout le temps. C'est tout le temps le même écart. Voilà. Donc maintenant, on va mettre les gants. Nous allons mettre les gants. On a appris. Là, on va les mettre en pratique. Donc on a appris un coup là. On a appris celui-là. Voilà. Enfin, gauche-droite. Gauche-droite. Donc toi aussi, tu vas mettre ton protégeant? Ouais. J'espère bien. Gauche-droite. Je pense que frappe quand tu joues, quand tu joues. J'ai trop bien. Fatigué. Les fils, le temps des fils et des débutantes, c'est 3 fois 2 minutes. C'est ouf, on a. Ouais. Enfin, vraiment, c'est ouf, on a pas du tout l'impression que c'est aussi pro encore. Voilà. Je le sens bien, mais je savais pas que c'était. Mais j'ai peur de faire mal. Non, il y a pas de soucis, il y a pas de soucis. Alors elle apprend vite, je dirais même très vite. Voilà. On passe au physique. Je kiffe, c'est canon. Je n'ai fait que 8 minutes, mais je pouvais faire 2 minutes, je vous le dis. Il était fatigué, c'est pour ça. 1, 2, 3. On va faire du fractionné, 5 secondes on accélère, ouais. Et 10 secondes tranquille. Ouais. Et on est parti, top, accélération. Top, repos. Voilà, top. Là on va passer à la corde, t'accélères, d'accord. Top, on récupère. Le physique c'est terminé. On passe à quoi? Au sparring. Au sparring. 3 fois une minute. Personne pense que je suis pas capable de faire 3 fois 2 minutes. Ouais, c'est ça en fait. Personne ne te croit. Donc soit tu leur prouves ou soit. Oui, bah je vais leur prouver. 3 fois 2 minutes. Oh,
Elle est un peu dépassée par le temps, elle arrive à croire que c'est que 2 minutes. Elle est un peu dépassée. Je crois que je vais donner un petit coup quand même. Elle se retient, elle a peur de me faire mal. Je comprends tout à fait parce que on sait pas ce que ça fait réellement. Mais il faut qu'elle comprenne qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Allez, encore un dernier. C'est pas mal, hein. C'est parti. Pas d'économie, tu donnes tout. Ah, mais je peux tout donner, mais... C'est pas grave. Au moins, la France compte. Voilà, exactement. Ça va, ça a été. Ah, c'est horrible. Chris, qu'est-ce que déjà tu dirais de mon niveau? Pour une débutante, je trouve que tu retiens très vite. Au fur et à mesure, tu te lâches un peu plus. Ouais. Non, bah c'est. En fait, on n'imagine pas que 2 minutes ce soit aussi long, quoi. C'est un sport, comme j'ai dit tout à l'heure, la boxe, c'est un sport complet. T'as besoin de tout, tes bras, tes jambes. Non, mais c'est canon. C'est fatigant quand t'attaques, mais aussi quand tu défends. Ouais, ouais, carrément. La boxe, c'est pas que donner des coups, c'est pas que le physique, c'est pas que avoir des muscles, etc. Ouais. C'est aussi dedans, psychologique, tu vois. C'est pour ça que quand tu faisais de la corde, tu disais c'est le mental. Ouais. Maintenant, c'est dans la tête. T'as vu, peut-être que t'as mal, mais si ton cerveau, entre parenthèses, il veut pas que tu t'arrêtes, tu ne t'arrêteras pas. Les gens qui sont tout le temps en colère, tout le temps fâchés, ben, quand ils sont sur un ring, leur première chose qu'ils vont se dire, je dois défoncer. Ouais. Tu vois. Et donc, c'est tu pratiques ton sport comme t'es tous les jours dans ta vie. Et moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien mettre les gens à l'aise. Et ben quand je boxe, c'est la même chose. Je cherche pas à défoncer la personne, je cherche à prendre du plaisir. Et si c'est mon partenaire d'entraînement, transmettre le plaisir. Et si c'est mon adversaire, transmettre le plaisir au public. Bon bah merci. Merci à toi. J'ai testé la boxe. Comme vous pouvez voir, j'ai pas fait semblant. C'était canon, hyper sportif. 1h30 d'échauffement, de sport, de coups, d'apprentissage, de sac. C'est crevant. C'est le sport le plus crevant que j'ai fait de toute ma vie. Je pense que c'est un truc qui est canon pour perdre du poids, se défouler, oublier toute sa journée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me donner des idées si vous voulez que je teste d'autres sports. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Salut !